Bristère, chouette. On peut encore descendre? Essayons. Et le boss est là. Ok. Je vois pas d'effigie de Marika. J'en vois pas là non plus. Donc si on meurt, on reste pas ici. À ce moment-là, on va continuer de fouiller. Et puis... on ira se reposer au feu. Bonjour. Ah, c'est celui que j'ai fait. Ok. On ira se reposer au feu et puis ensuite on trace vers le boss. Déjà passé ici. Toutes les galeries se ressemblent. Mais j'ai peut-être tout fait alors. Fais quoi, Acta? Maintenant que t'es en week-end. En fait, vous en êtes où dans les trains? Il me manque 1000 âmes. Ok. Sort mémorisé. On va enlever celui-ci et on va mettre le nuage de poison. Je zone un peu, pardon. On est au chapitre 14 du 4. À la fin, du coup. Il y a un trou là. Hein. Ouais, j'ai failli tomber dans le trou. Cool. Super. Bon, une fiole de santé en moins. Ça pourrait être pire, je suppose. Ah, ouf. Celle-là, elle me gêne en plus pour courir. C'est la première étape de mon cosplay pour ressembler à un chat.
Ah, cool. Un cristallien. Pas vraiment des boss, c'est des mobs que tu vas croiser de temps en temps. Perle de mineur de pierre de forge. Ah, parfait. Et ils sont ultra sensibles aux armes contondantes. Ils ont une espèce d'armure, enfin d'armure de cristal du coup. Si tu tapes avec une épée ou n'importe quelle lame légère, tu vas rebondir dessus. Une masse et paf. Comme dans la chanson. Comme dans la pub. Bon, voilà, ça c'est fait. Il est temps qu'on retourne à la table ronde. Just as long as he doesn't starve to death, eh? Go to Garank only if you feel the time is right. Killing those who live in death and weeding their death root is a path not to be trod without ample resolve. C'est qui déjà Garank? Go to Garank, killing those who live in death and... Ah oui, et on avait oublié de parler à... Quoi? Ah, we meet again after all. I apologize for any offense given by my bearing, but I'm quite unable to move, you see. So, what do you need? J'ai vaincu Godric. Ah, you defeated Godric and claimed yourself a great rune. Hmm. Looks like we both got what we wanted out of Stormvale, didn't we? Well done, friend. Something to mark the occasion. Go on, take it. Oh, cool. Rapier de Godric plus 8. As you might have guessed, I still can't move. My fighting days are behind me. No need to be polite. I've no use for it anymore. Ah, so you've met Dee. Dee is an old friend. We found ourselves journeying together for a time, bound by our exploration of death. But our paths have since diverged, never again to cross. Though that's hardly an uncommon fate for two friends. Dee was telling me that he discovered the mark of the centipede. The centipede is an ancient symbol of the curse mark. As long as whoever finds and uses it is not nefarious by nature, then we may be able to form an alliance. If only I could speak to them in person, and if they were like you, all the better. J'ai aucune idée de quoi il parle là pour le coup. To be doing well. Very good. Well then, would you like to learn an incantation? Peut-être. Imprègne l'arme en main droite de flamme noire. Je crois que ça dure vraiment pas longtemps. Projette une boule de feu noir ardente. On y viendra. Ouh, c'est quoi ça? Ah oui, un soin. Coûte 32. Golden orb. A pleasure to see you. Thank goodness you're safe. I'm still looking for my eyes. Not easy by it. On a dû rater quelque chose. Il me semblait qu'elle aurait dû s'installer depuis. Oh,
divinity have mercy and grant me forgiveness. The road is yet long, a god is not easily felled. But one day without fail you will have your wish. So please grant me forgiveness, Queen Marika. You, is it? I didn't notice you there. I'll be doing my job, same as ever. Just lay out your arms. À propos de la prière. Those words were not meant for you. I may be prisoner to you, tarnished lot. But my prayers are mine. Regen. And mine alone. Well, I've had my say. Ouais, ça va. I'll be more careful. On a massacré un petit boss, juste avant. Eh, au fait, j'ai pas pris... Ah si, j'ai pris des dégâts contre Gérard. The girl you bore here. She's crestfallen and can scarcely swing a blade. But she has a gift for spirit tuning. I saw another one like her long ago. Their eyes share the same hue. Alors on pourrait faire ça. It's all a bit much for me, in truth. I'm still looking for. Transmettre le message du forgeron. I possess some kind of gift. I don't believe you. But if I do have this talent, and goodness knows it would be my first. I suppose I should try to hone it, shouldn't I? I'll ask Master Hugh to teach me. Certainly he does appear intimidating and holds no love for us tarnished. But I know he's trapped here at the Round Table Hold. So, I can tell. He's a gentle soul underneath it all. If I do have a talent for spirit, I suppose I should try. I'll ask Master Hugh. Okay, cool. Donc elle va s'installer. You've received the wisdom of the two fingers, have you not? Then I bid you welcome as a true member of the Round Table. I am known as Gideon Ofnir. As a tarnished cool, to stand before the Elden Ring and become Elden Lord. I am accumulating knowledge, to be all-knowing. You now belong to a select group of fellows. As such, I ask that you remain constant. You'll be after more great rune, then as your fellow, allow me to... Il me semble que quand tu lui parles avant d'avoir récupéré les grandes runes, il est en mode... Mais... We of the Round Table know the location of five of them. Including the one you defeated, Godric the Grafted, Lord of Stormvale, General Radahn, who fought Melania and her rot to a standstill in the Caelid Wilds, Praetor Rykard, Lord of the Volcano Manor of Mount Gelmir, Morgoth the Grace-Given, Veiled Monarch and Lord of Laemdel, and Rennala, Queen of the Full Moon. Ruler of Rhea Lucaria's academy. Qui devrait être notre prochaine cible. À propos de Nefeli. Well, I understand you've been speaking to Nefeli. She's my daughter. I took her in when she lost the guidance of grace. Though a mere axe-wielding barbarian, her youthful credulity suited my purposes. So I put her to work. Do not hesitate to employ her. Should her services benefit you? Despite her looks, she is more than capable in the press of battle. Mais l'air un peu connard sur les bords, toi.
Alors, offrir une pierre, mineur forgeron. Qu'est-ce qu'on peut acheter avec? Quelle est? Ah oui, Gostok, c'était le gars qui a eu un accident. C'est vrai. Il a failli l'oublier, lui. On a 10 000 âmes, on va les dépenser. J'ai 2000 à claquer. Est-ce qu'on va faire un truc que je ne pense pas ni gagner ni pouvoir récupérer? Oui. Raté. Cool. Le bouclier marche bien. Ah, la congélation, c'est vraiment galère. Bonne nuit, Né. Merci pour ce soir. Passe une bonne journée demain.
Ah non. J'avais oublié que ça faisait autant de dégâts. Ah, c'est pas grave. On a montré qu'on pouvait l'avoir. Ah, c'est un début. On peut être un peu fourbe. On peut. Contre un joueur, je le ferai pas. Contre un PNJ, qu'importe. C'était un accord de gentleman entre lui et moi. Mais je peux pas faire ça. Apparemment, il y avait un rack à armement ici. Voyons voir. Well, I took you for dead. No matter, it's all out. You're up. Non, non, je suis pas mort, enfin pas tout à fait.
Compétence des seigneurs d'Albâtre à la peau de pierre. Vous plantez votre arme dans le sol et créez un puits gravitationnel. En plus d'infliger des dégâts à l'impact, cette attaque attire les ennemis. Et on peut essayer. Frappez lourdement le sol pour faire apparaître momentanément une tempête. Mais... Acceptez-vous de veiller sur Audrica? Qu'elle souhaite. I don't doubt you, but I know when something's too good to be true. J'aime bien moi. If I do, I suppose I should ask Master. A priori, on a terminé la chaîne de discussion. Allez copains, c'est de nouveau à toi. On a sensiblement amélioré notre arme. Ah, pas celle-là, l'autre. Ah oui, sensiblement, effectivement. Langue de raillerie. Comme quoi, quand ça va pas, tu peux faire tout le jeu avec 5 points de dégâts. Ça, si t'as les compétences, ça peut se faire. Si t'as pas les compétences, taper fort avec une grosse arme, ça marche aussi, hein. Le pata runique. Hop, qui est une arme silencieuse contrairement à l'autre. L'une des armes provenant des deux doigts. Sa lame est composée d'une suite de symboles informes, empêchant tout bouclier de parer ses coups, inflige des dégâts sacrés. L'inscription discrète semble comme suspendue dans les airs. Elle est écrite dans le langage lumineux qu'utilisent les deux doigts. Compétence unique, lame imparable. Vous imprégnez la lame de lumière, puis vous élancez pour porter une soudaine attaque perçante. Cette compétence est imparable. Celle-ci ne pèse rien. Et elle fait à peu près aucun dégât, en plus. Surtout parce que j'ai pas 32 fois, à vrai dire.
Ah, et si vous voulez avoir un visuel de ce que ça donne, parce qu'elle est un peu unique. Voilà. Plutôt cool. J'ai gagné des âmes? Ah, un petit peu, ouais. Ah oui, alors cette histoire de gens à nourrir. C'était où finalement? Voilà. Oh, j'en ai utilisé deux ici. Il m'en reste. Inventaire. Le fait que je n'en vois pas dans mon inventaire me dit que non, je n'en ai plus. Youpi! J'en ai trois. Youhou, c'est bon. Oh, arbalète noire de Crépus. Il me faut 14 de force, 16 de dextérité. Arbalète noire dotée d'une longue crosse, idéale pour les tirs de précision grâce à sa très longue portée. Arme de Crépus qui servit dans l'ombre des deux doigts de la table ronde en tant que maître confesseur. Bréviaire de l'assassin. Ok, bon, bah ça c'est fait. Ah, vire de l'augure des doigts. On va continuer de longer la falaise. Non, ça c'est pas la sortie. Forge. Où est-ce qu'on arrive ici? Tiens, en fait, Giano, c'était comment il take tout? Ce truc. Aïe. J'ai
J'avais oublié ce petit event de loot. Alors forcément, ça pique. Très cool. Ok, cool. Masse de chair. You. Je sais pas où je vais. Et je pense pas que ce soit l'idée du siècle. Mais je pense aussi qu'avec mon petit chapeau, je risque rien. Ma petite capuche. Il va me tuer, dis donc. Dommage, j'aurais bien récupéré son armure ou son casque ou... N'importe. Marchand là-bas. Et mineur ici. Tiens. Eux ont résisté? Ok, mon arme rebondissait sur eux. What do you need? I don't want any trouble. Fusil. File-moi un fusil. Arc composite. Ok, c'est cool aussi. Je peux pas l'utiliser. Ah, le marquer. Parce qu'à mon avis, son arc, je vais le vouloir plus tard. Église martiale. Je peux aller causer à l'augure des deux doigts. Oh, puis il y aura sûrement une autre mine là-bas. Punaise. Ah, ce soir, c'est varié.
Le décor le gênerait pas tant, ce serait vraiment chouette comme combat. D'armure. Nope. On montre pas le doigt à la madame flippante. Y a des gens bizarres dehors. Non, ils sont normaux. Pour un FromSoft. Eh, Bok. Your seamster, Bok. He is always eager to see your return. Please. Will you talk to him when you can? I'm sure he would be much contented. Elle est trop bien, elle. Tu vas bien, Panda? Bok the Seamster, at your service, Master. Ready to make adjustments to your garments. Ouais, je suis un lutin. Une sieste avant de prendre ma piquette sur CM. À premier tour, il s'est rien passé. Tout va bien. Non, ça va aller. Enfin, là, c'est bien pour découvrir, mais il faudra qu'on passe sur plus d'unités pour la suite. Sera plus intéressant. C'est pas le premier tour qui t'inquiète. Hop, est-ce que aussi le cheval va vivre? Ça, c'est pas beau. Pour les porter, considère que c'est comme IRL. Si tu laisses deux chevaux en vie, ça fait des poulains. Non, je pense pas.
Ah oui, c'est un ascenseur là-bas, c'est vrai. Mon dieu. C'est chouette hein, de se laisser porter par ce qui se passe, mais... D'accord. C'était quoi ça? Ah, ok. Un trébuchet. Faites pas genre les gars. Faut que je fasse gaffe, y'a un autre gars qui est pas loin. Mais qui a été sage et qui a attendu son tour? Petite question, Idot, là je vois que je peux pas utiliser les mouvements sur SEM, je dois attendre que cela avance, puis refaire mes ordres, c'est bien ça? Ouais, tu laisses passer les 60 secondes. T'auras en haut de l'écran, il y a écrit Review Phase. Une fois que la phase de 60 secondes est terminée, tu fais comme si tu terminais le tour. Et tu vas arriver, tu sais, avec le bouton en bas à droite, et puis là tu vas arriver à la phase d'ordre. Toute la beauté de CM étant que tu peux visualiser ce qui s'est passé pendant cette phase de 60 secondes et que tu dois prévoir 60 secondes à l'avance. Grande masse. Je savais bien que j'avais entendu quelque chose. Jamais de questions idiotes et encore sur CM. Ah oui, clairement. N'importe quel jeu, hein. T'as des questions, tu les poses. T'inquiète pas, il va te falloir quelques missions avant de saisir les subtilités et autres. Mais déjà, tu pars avec un avantage que certains n'ont pas. T'as une idée relativement bonne des matériels utilisés. C'est un mouvement rapide, mais si c'est une équipe d'armes qui était déployée, il va falloir qu'ils remballent leur arme avant. C'est bien ce qui me semblait, il y a du monde là. Hop là. Oula, ouais, il y a un peu de monde du coup.
Suivant. Un mouvement jaune, les mecs courent quand même pas mal. Mouvement N, ils marchent pépouze. Et mouvement B, ils vont s'épuiser beaucoup trop vite. C'est un jeu qui se veut réaliste. Hein. Tu vas pas avoir des hommes qui vont courir sur 800 mètres. Enfin, pas en restant en forme en tout cas. Ça va, c'est juste le cheval. Ok. L'armée allemande n'avait pas un problème d'obésité, ils avaient un problème d'alcool. Même si je doute que ça touche les hommes de troupe dans l'absolu. Que ça touche beaucoup les hommes de troupe, je devrais dire. Épée courte, nickel, et on a récupéré une fiole de soin. Ça va, ça se passe bien. C'est un loot violet là-bas ? Surtout, hésite pas à les faire sprinter à fond. Tu vas à toute zingue, dans tous les sens. Je sens que c'est un mauvais conseil. Non. La fatigue joue sur les performances globales de ton unité. Par contre, vu que t'es un joueur de l'autre jeu dont tu m'as parlé, y a pas de carburant dans Combat Mission. Les munitions sont gérées, mais pas le carburant.
Qu'est-ce que j'aurai après le stream? Le tour de Jen, super. Faire ça juste après. On va... Je vais pas tarder à arriver. Arrêtez, hein, je suis vachement crevé. Oh. Ok. Donc je suppose qu'on va pas venir là. T'en fais pas, Panda. Si tu veux le faire en live, n'hésite pas, les renseignements sont toujours utiles. Ah. C'est quoi? On va rester là d'ailleurs. J'aime bien la tête de mon perso. 15 heures de jeu déjà sur cette sauvegarde, c'est pas mal. Ah, demain on fera du War Thunder l'après-midi et du Helldiver le soir. Voilà, grosse journée commu, si ça vous intéresse, enfin si vous voulez être en audio, ça peut se faire. Et puis on verra bien, et semaine prochaine on commencera un nouveau Wargame. Où elle se trouve et les emplacements surtout. J'y suis allé très léger pendant. Sur celle-là, ça va. Perso s'appelle Grumpf. Non. Non, il est cool.